Bienvenue à Saint-Avold pour la demi-finale de la Coupe de France, le trophée Maurice Schoenacker, qui voit s'opposer en blanc les Red Dragons de Saint-Avold face aux Noirs de Le Canet. Les Noirs ont réussi la première interception. Donc Le Canet, numéro 9, Luigi Macombo, qui donne à l'intérieur sur Grida Matawi, qui fait tourner sur le numéro 8, Christophe Carlier. Longue passe extérieure et tentative de 3 points pour cette première attaque de la part de Le Canet. Donc j'en profite donc pour faire les mises en jeu. Donc du côté de Le Canet, numéro 5, Alexis Ramonet, numéro 7, Stéphane Keller, numéro 8, Christophe Carlier, numéro 9, Luigi Macombo, numéro 15, Rida Matawi. À votre droite en blanc, donc les Red Dragons. À l'intérieur, nous avons le grand numéro 4, 9, Matige Bellers à l'instant, qui vient à deux tentatives d'échouer, par deux fois échouer sous l'anneau, mais qui récupère ses lancers francs sur cette faute. Donc nous avons le 7 également, Robin Pugenwich, le 11, Patty Cotibingo, le 14, Julien Feuteau, et le 15, Sam Bader. Premier lancé réussi par Matige Bellers. Cette rencontre est arbitrée par trois arbitres. Nous avons ce soir pour arbitrer Denis Quin, Jocelyn Corvézier et Monsieur Dominique Delpierre. Oh là là, quelle erreur défensive. Heureusement pour les Red Dragons de Saint-Avold, il y a eu un manque de réussite flagrant. Patty Cotibingo à la main, qui monte très rapidement cette balle, qui prend en côté gauche, qui se protège derrière Robin. Tir de Patty Cotibingo, tir échoué. Et rebond récupéré par Luigi Macombo, qui donne à Rida Matawi, qui pivote. Oh là là, mésentente. Et cette balle sortira en touche. Balle récupérée par les Red Dragons de Saint-Avold. Ce soir sur le terrain, nous avons de très très grands joueurs, énormément d'internationaux. Du côté des Red Dragons, étant donné que ce sont eux qui ont la possession de balle, nous avons Sam Bader, le numéro 15, qui tient la balle, qui vient de donner à Julien Feuteau. Donc et shoot au buzzer de Julien Feuteau, magnifique tir. Jeu qui est très rapide ce soir. Balle donnée à Stéphane Keller, qui rend à Luigi Macombo. Et 3 secondes sifflées par l'arbitre. On entend Daniel Paquet, le coach de Le Canet, qui encourage son équipe à revenir dans le jeu. 4 à 0, le jeu est très rapide et rien n'est fait. Passe une main à Sam Bader, qui l'envoie sur le côté droit, Robin Pugenwich, mais qui est coincé. Et faute offensive, passage en force sifflé à Robin Pugenwich. Ah, excusez-moi, j'ai mal lu les doigts, c'était la faute offensive sifflée à Matige Bellers. Première faute de Matige. Avec grosse pression défensive. Alexis Ramonet qui a tenté de sauver cette balle du bout des doigts, mais qui l'a envoyé en touche. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'engagement de physique de la part des deux équipes. Il faut dire que l'enjeu est important. Le Canet et Saint-Avold, les Red Dragons, sont toutes les deux des grosses équipes qui sont en tête de championnat. Le Canet occupe actuellement la deuxième place du championnat avec 29 points. Et Saint-Avold occupe la cinquième place avec 25 points. Et cette action est quasiment identique à la première action pour Saint-Avold, une passe intérieure sur Matige Bellers et une faute au moment du tir, donc de lancer. Il est à noter que
pour le moment, il est en forme au niveau du lancer. Ce n'est pas tous les matchs le cas, mais pour l'instant, c'est un 100%. Et on voit qu'il est dangereux. Il y a Le Canet, il y a deux joueurs noirs de Le Canet qui bloquent Matij là en défense pour provoquer. Oh là là, que c'était bien joué. Créer le moins un pour pouvoir rentrer à pénétration. Et Paty, magnifique. Paty qui s'empare de cette balle et passe aveugle à Robin Pogonić. Grâce à cette passe aveugle de Paty, le Saint-Avol, les Red Dragons ont pu se débarrasser de la presse mise en place par Le Canet. Tire longue distance. Et Sambader se précipite, sauve la balle. Malheureusement, il la rend au noir. Et à ce petit jeu-là, c'est Luigi Macombo qui marque. Et on entend Daniel Paquet, le coach de Canet, crier à ses joueurs de rester, c'est-à-dire une presse. Sambader, longue passe à Matij Bellers. Robin Pogonić qui vient l'aider à se sortir et passe à Robin. Joli passe Eva. Ces deux joueurs forment un très très bon duo. Ils sont tous les deux de nationalité Pays-Bas, plus de Hollandais. Ils ont l'habitude d'y jouer en équipe nationale ensemble. Et Rida qui réussit à s'emparer de ce grand rebond par au-dessus Sam, mais Sam réussit à attraper le deuxième. Et faute offensive, non, faute défensive de Christophe Carly, numéro 8 de cette équipe de Le Canet, qui a tenté de bloquer la remontée de balle de manière un peu illégale. Et même technique que tout à l'heure, très longue passe pour passer la ligne médiane à Matij Bellers et Robin Pogonić qui vient ouvrir le jeu. Tentative de tir très longue de Robin, récupéré par Paty, mais malheureusement Matij échouera à l'extérieur de la zone. Remontée de balle, Stéphane Keller, numéro 7 dans l'axe, qui distribue Alexis Ramonet sur le côté gauche. Alexis qui prend le tir. Robin Pogonić qui navigue, qui va côté gauche, qui se protège derrière Sambader et Julien Fleuteau. La balle revient sur Sambader. Tir de Sam, tir manqué. Oh, joli geste technique, tire sur une roue pour passer à côté de son défenseur. Mais malheureusement, la balle ne rentrera pas. Sambader fait l'effort de revenir aider Robin Pogonić. Mais malgré la présence des deux grands intérieurs, Paty Kotimingo tire son épingle du jeu, réussit à pénétrer et passe dans le timing pour un 2 points. 12 à 2, tentative de 3 points du numéro 7, Stéphane Keller, pour essayer de revenir. Allez, chers amis, chers publics, merci d'applaudir avec nous. Remise en jeu. Remontée de balle à deux. Paty Kotimingo qui est venu aider Robin Pogonić. Robin Pogonić dans l'axe. Qui donne la balle à Julien Fleuteau à gauche, mais passe mal ajusté. Sambader à une main. Longue passe sans bras roulés. Ça bouge beaucoup. Robin Pogonić trouve son coéquipier à l'intérieur, mais le tir était difficile là-dessus. Balle récupérée par les joueurs du Canet. Alexis Ramonet qui serre pile à l'intérieur au bon moment Christophe Carlier.
Il y aura une faute sifflée à Sam Bader, numéro 15, pour obstruction. Il a empêché le passage du joueur intérieur. Alors c'était juste avant le tir, donc il n'y aura pas de lancer, mais remise au fond. Oh là là, Rida n'a pas de chance sur ce tir. Sam Bader qui réussit à sortir cette balle juste à temps. Robin Pogonvic et grosse bataille à l'arrière que vous ne voyez peut-être pas, mais il y a deux noirs du Canet qui bloquent deux joueurs. Donc c'est un 3 contre 3. Il reste 3 secondes. Voilà, et technique que le coach Daniel Paquet a mise en place pendant le temps mort qui porte ses fruits. Nous avons les joueurs du Canet qui bloquent les joueurs des Red Dragons, les deux grands intérieurs des Red Dragons. Oh, que c'était beau cette passe, mais encore une fois le tir est manqué. Et la contre-attaque est lancée. Robin Pogonvic qui est bien défendu par Patty Kotimingo. Patty qui a fait un effort, un grand effort ici pour assurer ce panier, même si c'est pas lui qui le marque. Il est du côté du Canet. La balle arrive sur Rida Matawi et cette fois-ci elle est dedans. Robin Pogonvic qui contourne tout le monde, qui va se positionner derrière Julien Fleuteau, côté gauche, à l'intérieur sur... Oh là là, c'était beau, sur Mathis Bellers. Une fois qu'il est dedans, il arrive d'une manière ou d'une autre à aligner son tir. Là pour lui c'est quand même difficile ce soir, il doit chaque fois monter sur une roue. Sam Bader qui s'en sort, qui passe à Robin Pogonvic pour passer à ligne médiane. Ah ce soir, oh là là, que c'est dur. Et tir échoué de Robin, là il en a peut-être un petit peu trop fait. Mais c'est vrai que tous les joueurs là travaillent en équipe pour se sortir de cette presse qui est vraiment très efficace de la part du Canet. Et tir manqué de Christophe Carlier, qui était peut-être un peu trop rapide. Il faut passer à la ligne, ça y est. La ligne est passée, juste à temps. Mathis Beller, Sam Bader qui rentre dedans, dans la zone. Et faute offensif sifflé à Sam Bader. Allez, changement du côté avec la sortie du numéro 9, Luigi Macambo, Ivan Tosca. Alors, sortie du numéro 9, Luigi Macambo. De Saint-Avode, merci d'applaudir. Thierry Bonnemer, s'il vous plaît. Grand international, hein, Luigi Macambo de l'équipe de France, faisant partie de l'équipe de France actuellement, qui est remplacé par Ivan Toscano, le 11. Un international aussi qui fait partie de l'équipe d'Espagne. Le but de jeu, ramener un petit peu de vitesse sur le terrain pour l'équipe du Canet. Michel Mensch, le coach de cette équipe des Red Dragons, a également effectué un changement. Et le changement... Ah, Mathis Bellers qui fait le jeu. Premier carton qui se termine sur score de 18 à 4. Retour sur le terrain des Red Dragons de Saint-Avold, où l'équipe locale joue en blanc et mène actuellement sur le score de 18-4. Tir manqué
de Christophe Carrier, mais heureusement, bonne récupération. Et là, nous avons à nouveau la presse des joueurs du Canet. Et toute l'équipe de Saint-Avold travaille pour passer à la ligne médiane. Encore une fois, Mathis Beller, avec ses grands bras, a réussi à faire passer la ligne médiane. Mais ça monte très très haut, ça défend fort ce soir. La presse habituellement est une spécialité de Saint-Avold. C'est Saint-Avold qui effectue, et là ce soir, ils la subissent. Et la taille ici de Rida fait la différence. Malheureusement, tir manqué, il manque de réussite ce soir. Et Robin Pogonich qui passe la ligne, mais qui est de suite pris à deux. Et faute sifflée au numéro 7, Stéphane Keller de l'équipe du Canet. Et changement demandé par Daniel Paquet, le coach du Canet. Suivi de Stéphane Keller. Sortie de Stéphane Keller, numéro 7, et entrée de Thomas Delattre. Thomas Delattre, un jeune joueur, encore avec une carte verte. On va voir ce que ça engendre comme changement de jeu. Oh là là, tir manqué là de Mathis Bellers, mais tout de suite il est pris à deux, il bloque à deux sur Mathis pour prendre l'avantage physique. Et superbe retour de Patty Cotibingo là, qui vole cette balle. C'est pas pour rien qu'il est sélectionné pour l'équipe de France, Patty Cotibingo. Et première balle à l'intérieur pour Thierry Bonnemer. Premier tir de Thierry. Beaucoup d'expérience de la part de Thierry, qui peut faire différence sur ce genre de match. Il a pris la place tout à l'heure de Sam Bader. Sam Bader qui était sorti pour le conserver un peu pour la suite du match. Mais là, Thierry prouve qu'il peut encore aider. Passe mal ajustée là. Rida Matovic s'en veut un petit peu parce qu'il avait fait le plus dur, il avait réussi à pénétrer dans la zone. Parce qu'après il y a les deux grands là, tu peux pas leur donner. Vincent Jascula qui est venu aider son joueur, la Patty Cotibingo qui a pu faire la différence. Heureusement, son tir un peu mal ajusté, c'était dommage, c'était un beau jeu collectif là. Et Vincent Jascula qui fait encore la différence là avec cet excellent geste défensif. Patty Cotibingo, oh là là, que c'était beau ça, avec une passe derrière. Et Vincent Jascula qui vole encore une fois une balle. Deuxième interception en moins d'une minute pour Vincent. La balle arrive. La balle arrive sur Mathis Bellers. Mais faute offensive. Donc pour essayer de se décoincer là de la part de Thierry Bonnemer. Il y a vraiment une grosse presse là, tout terrain mise en place par Daniel Paquet, le coach du Canet. Oh là là, beau tir d'Alexis Ramonet. Alexis Ramonet, excellent joueur, rapide, qui fait partie de l'équipe de France. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a du beau monde ce soir sur le terrain. Beaucoup d'internationaux, que ce soit français ou étrangers. Patty, oh là là, fin de passe, fin de tir pour donner à l'intérieur à Mathis Bellers. Et Mathis Bellers qui a complètement manqué.
son tir qui était pourtant facile juste sous l'anneau. Et moi je sais là, juste là, c'est pour ça que je... 6 secondes, 6 secondes. Après concertation, il ne reste plus que 6 secondes de temps de possession. Tentative de 3 points. Tentative manquée et remontée de balle très rapide. Oh là là, quel pivot là de la part d'Alexis Ramonet qui ne perd pas la balle, qui réussit à donner à Rida Matawi qui prend le tir, mais tir manqué de Rida. Et remontée de balle. Robin Pogonjic qui attend, c'est Thierry Bonnemer qui se présente, Thierry Bonnemer qui attend que ça se libère, et c'est Vincent Jascula qui prend le tir, la balle roule sur l'anneau et ressort. Mais il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, là le jeu est bien bien verrouillé par les joueurs noirs du Canet. Et Patty Cotimingo qui vient par derrière pour tenter d'intercepter la balle. Il touche le fauteuil avec sa roue et faute sifflée. Ah, les Red Dragons vont devoir faire attention là, à toutes ces petites fautes. Allez, changement du côté de Saint-Avold avec l'entrée du numéro 15, Sam Baller. Sortie de Thierry Bonnemer. Public Navoyant, merci de les applaudir une fois. Sam Baller, numéro 15, qui fait à nouveau son entrée sur le terrain. Il doit également se méfier, il a deux fautes. Tentative de tir à une main là d'Ivan Toscano. Mais là également la balle roule sur l'anneau. Patty Cotibingo qui se retrouve tout seul à gauche, qui a le temps de préparer son tir. Tir bien ajusté cette fois-ci. 22-8. Différence de réussite là ce soir. Pas vraiment de niveau mais de réussite. Et faute offensive au 14, Thomas Delattre. Bien bien provoqué par Sam Baller. Merci d'applaudir s'il vous plaît bien fort. Nos deux équipes en ce moment ici sur le parquet des Saint-Avold. Et Vincent Jascula qui sort, c'est Julien Fleuteau qui reprend sa place sur le terrain. Robin Pogonjic qui va travailler pour aller tenter de se mettre derrière Julien Fleuteau. Mais ça permet de créer un trou pour Matij Bellers qui réussit à pénétrer dans la zone. Et une fois qu'il est dedans, qui est sous l'anneau, il est quasiment impossible à l'arrêter. Joli travail à deux là de la part des joueurs du Canet. Mais manque de réussite de la part de Christophe Carlier qui avait fait le plus dur. Robin Pogonjic a une touche qui avait bien resservi Sam Baller à l'intérieur. Sam Baller a été coincé par deux défenseurs. Et Patty Cotimingo, magnifique tir de Patty. Faute sifflée qu'un Sam Baller. La sortie du numéro 14, Thomas Delattre, entrée du numéro 15, Rita Matawi et Stéphane Keller. Et c'est vrai également l'arrivée de Thierry Bonnemer. Amina Boria, merci les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je vous ai dit il y a quelques minutes que les fautes allaient être primordiales sur ce type de match avec un engagement fixe très important de part et d'autre. C'est normal qu'il y ait des fautes. Mais là, Sam Baller, sa troisième faute alors qu'on n'a pas encore atteint la mi-temps. Ça va être difficile pour lui. Et donc le coach a préféré le sortir à nouveau et entrer de Thierry Bonnemer, poste sur poste.
Robin Pogonic aux 3 points dans l'axe, qui se décale, qui sert bien Patty Cotimingo qui s'était fait oublier dans le côté droit. Il fait un très bon match pour l'instant Patty, comme tous ses équipiers. Faute sifflée à Thierry Bonnemer. Le coach Daniel Paquet demandait à ce que le panier soit accordé. Pour le coach, la faute se faisait dans la continuité du tir. Tentative à 3 points, manquée. Thierry Bonnemer qui prend le rebond. Mais on a Rida Matawi là, très précis là et très présent, qui est venu pour contester la balle entre deux. Et cette fois-ci, la flèche indiquera la possession à l'équipe des Red Dragons. Et grosse presse sur tout le terrain là, les fauteuils qui s'entrechoquent, qui se bloquent. Thierry Bonnemer qui doit passer à ligne médiane, qui donne à Robin Pogonic, ça y est, c'est fait. Passe à l'intérieur, mais passe mal ajustée. Et les Noirs se retrouvent 3 contre 1 là. Robin tout seul. Et Christophe Carrier, excellemment bien servi là, sur cette fixation côté droite du meneur. Voilà, cette fois-ci la passe est bonne. Et les layup main gauche de Patty. Il reste 2 minutes 16 dans cette première mi-temps. On sent beaucoup, beaucoup de pression sur ce terrain, beaucoup de tension. Avec une presse tout terrain de la part des joueurs du Canet. Toutes les balles sont contestées. Il reste 11 secondes de temps de possession. Patty Cotimingo dans l'axe, qui donne à Julien Futo. Perte de balle de la part de Julien Futo. Et les joueurs du Canet. Jeu rapide en passe. La balle se retrouve à l'intérieur sur numéro 8, Christophe Carlier, qui marque. Et qui bénéficie des deux lancers. Faute de Thierry Bonnemer. Encore une fois, troisième faute de Thierry Bonnemer. Rebond de Thierry Bonnemer. Patty Cotimingo qui fait le relais sur Matisse Bellers, qui a rendu tout de suite à Robin Pogonic. Robin qui tourne, qui trouve Patty côté droit. Patty, long tir, quasiment 3 points. Il a été peut-être un petit peu trop gourmand là cette fois-ci, il se sentait en confiance. Et la relance rapide du Canet. Bien arrêté. Mais on sent que sur chaque balle, les joueurs du Canet peuvent être dangereux. Voilà. Fin de passe d'Alexis Ramonet. Son défenseur se décale pour rester sur une ligne de passe. Allez, public, d'abord, il incite un peu d'énergie. Merci d'applaudir bien fort ton équipe. Fais du bruit. Vérification de l'arbitre au niveau de la table. Julien Feuteau qui donne à Mathis Mellers. Julien Feuteau à nouveau qui avance, qui prend le tir, mais tir manqué. Ça fait beaucoup, beaucoup de tirs manqués là, doucement mais sûrement.
Les joueurs du Canet sont en train de revenir. Et 3 secondes. 3 secondes sifflées, là, Daniel Paquet se fait entendre auprès de ses joueurs. Il est vraiment pas content de cette action. Il attendait le tir, là. Robin Poganovic sur son côté gauche, qui revient dans l'axe, qui trouve Paty. Ouais. Défense très haute. Romine à l'intérieur. Alors, on a entendu un coup de sifflet de la part de l'arbitre. Alors, il n'a rien annoncé encore. On va voir ce qu'il annonce. Pour l'instant. Faute sifflée au numéro 9, Luigi Macombo, sur ce tir de Robin Poganovic. Première faute de Luigi Macombo. Temps mort demandé par Daniel Paquet. Merci d'applaudir bien fort ton équipe. Il reste 7 secondes et 4 dixièmes dans cette première mi-temps. Daniel Pasquet a demandé à ses joueurs donc d'aller jusqu'au panier avec un relais. Le but du jeu de libérer Christophe Carlier pour un tir. Alors ça n'aura pas marché. Ça n'aura pas fonctionné son plan. C'est Rida Matawi qui a pris le lancer. Merci les ateliers, bien fort. J'en profite pour saluer également la municipalité de Saint-Aveu. Merci à son adjointe au sport. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous. De retour à Saint-Avold pour la seconde mi-temps de la demi-finale de la Coupe de France pour le trophée Maurice Schenacker. Balle à l'équipe du Canet qui est pour l'instant menée 32 à 14. Oh là là. Christophe Carlier qui a manqué à deux reprises. Heureusement, le rebond a été récupéré par Rida Matawi qui a diminué la marque 32 à 16. Sambader qui fait une grande passe en dessous à Mathis Bellers. Une faute à Christophe Carlier. Il y aura deux lancers car le tir n'a pas été accordé, le panier n'a pas été accordé. Seconde faute individuelle pour Christophe Carlier. Et un 2 sur 2 pour Matige sur cette reprise. Une bonne manière de reprendre le match. La balle est menée par Luigi Macombo et elle revient dans l'axe pour un magnifique tir à Stéphane Keller. Sambader qui donne à Robin Poganovic. Pour l'instant, on a un changement de stratégie de la part de Daniel Paquet, le coach de cette équipe du Canet. Tout à l'heure, il exigeait de ses joueurs une défense avec une presse tout terrain. Ce qui n'est plus le cas actuellement.
très belle action défensive là de Sam Bader qui s'est positionné juste devant Rina Matawi pendant sa pénétration et Rina n'avait pas le choix. Soit il arrêtait son fauteuil et il manquait la balle, soit il attrapait la balle et du coup il n'arrêtait pas son fauteuil. Instinctivement, les joueurs récupèrent la balle, mais du coup ne maîtrisent plus leur roue et c'est la faute offensive. Patrick Otibingo qui attendait que ses coéquipiers se libèrent, mais il n'avait rien d'autre à faire que de prendre le tir là, Patty. Mais tir était un peu loin. Mais il est bloqué par trois joueurs noirs actuellement, Patty. Oh là là. Alexis Ramonet là qui a profité de la confusion. Personne n'essayait vraiment de lui bloquer le passage. Tout le monde pensait du côté des Red Dragons qu'il allait faire la passe. Et au culot, il allait jusqu'au bout. Il a pris un tir là sous l'anneau. Un joli deux points. Important ce panier. Patty Cotimingo là qui a essayé de récupérer cette balle mais n'a pas été assez rapide pour la reprendre avant qu'elle ne sorte. À mésentente là du côté des joueurs du Canet, alors qu'un excellent travail avait été effectué pour bloquer Sam Bader en dehors de la zone pour pas qu'il ne puisse rejoindre sa position défensive. Et il est encore présent là, Sam, sur ce passe-eva très très bien ajusté de la part de Robin Pogonich, son meneur. Défense qui est assez basse là de la part des Red Dragons. Ça a fonctionné sur la première mi-temps car il y avait un manque de réussite assez flagrant de la part des joueurs du Canet. Mais là pour l'instant la patte est revenue du côté du Canet et ils vont devoir ouvrir un petit peu plus leur défense s'ils ne veulent pas se faire allumer à 10 distances. Belle faute là, assez incontestable de la part de Christophe Carrier qui s'est littéralement jeté en avant pour éviter le tir sur Matij Bellers. Christophe Carrier qui est un grand joueur, un 3 points, un ancien de l'équipe de France. Alors tir manqué de Robin, mais Patty Cotimingo a récupéré ce rebond offensif, la balle est partie assez loin. Et Patty qui se présente, oh que c'était bien fait, mais la balle ne voulait pas rentrer, elle est ressortie. Mais avec beaucoup de chance là, et puis une pression défensive à part de Sam Manner par derrière, la balle est récupérée par les Red Dragons. Patty Cotibingo qui donne dans l'axe à Robin, fin de passe, puis il donne à Julien Feuteau sur la gauche. Julien Feuteau, oh là là, la balle, elle tourne et elle ressort encore une fois. C'était du côté du Canet en première mi-temps que les balles ressortaient, cette fois-ci ça a changé. 36-24. Les joueurs du Canet remontent très rapidement. Et temps mort demandé par Michel Mensch, le coach de cette équipe des Red Dragons. Du match, score 36-24. On a eu une erreur tout à l'heure au tableau d'affichage, Dominique. Donc du coup, il y a deux fautes d'équipe d'affichés, mais en fait, il n'y en a qu'une seule. Ils ne sont pas corrigés. Qu'une faute d'équipe. Ouais, parce qu'en fait, le 15, en fait, on a enlevé tout à l'heure une faute par erreur au 15. Ouais, donc, on viendra juste. Non, on ne peut pas corriger les fautes d'équipe. On lui a remis, il a bien trois fautes, d'accord. Mais tu vois, mais en fait, du coup, on a le deux fautes d'équipe d'affichés. Oui. Il n'y en a qu'une seule. Voilà. Sans pas le corriger. Il n'y a qu'une faute d'équipe. Ouais. Par contre, c'est trois fautes au 15 et trois fautes. Oui, c'est bon, ouais.
Et j'en profite également pour saluer les partenaires sponsors de cette rencontre. Merci à la région Grand Est, le département de la Moselle, la ville de Saint-Avold, Sport 2000, Crédit Mutuel. Et rebond récupéré par Mathis Bellers qui renvoie sur Paty Cotibingo. Paty qui cherche à passer la ligne. Ça y est, c'est fait avec une passe à Mathis Bellers. Mathis qui avance, qui se retourne, qui attend que ses coéquipiers se présentent. C'est Julien Fleuteau. Feinte de tir au niveau du lancer franc. Et il donne la balle à Paty Cotibingo. Tir très compliqué là. Paty qui est obligé de se pencher très loin en arrière pour armer son tir. Et trois fautes, 3 secondes, excusez-moi, sifflées à Christophe Carlier. Là, il a hésité, il a cherché à travailler pour passer à côté de son défenseur. Mais comme il était dans la zone, il a mis trop de temps. Robin Pogonić dans l'axe. Robin Pogonić toujours qui donne à Paty. Paty a une main. Mais 3 secondes de la part de Paty. C'était compliqué pour lui. Il est très bas sur son fauteuil, Paty, comparé aux autres joueurs. Il en avait 3 noirs sur lui. Là. Trouver les petits espaces pour tirer. Presque mission impossible. Et faute sifflée, faute offensive sifflée à Luigi Macombo là. Allez public, encourage bien fort ton équipe. Les Naboriens face à Denis. Le canet. Et faute technique à l'instant sifflée à Alexis Ramonet. On a fait un match en Europe, il n'y a pas une faute technique. Qu'est-ce qu'il a dit? Et alors, pour ça, tu vas plus un mot. Non. Quoi, t'es vexé, c'est ça? Franchement, oh, le jeu il appartient aux joueurs, pas aux arbitres. Sérieux. C'est Julien Fleuteau là qui se présente. Et sur cette faute technique, c'est l'équipe des Red Dragons qui récupère la balle. La tension est encore montée d'un cran là, avec ses coups de sifflet sur le terrain. Et Robin qui fait son show. L'équipe, les Red Dragons 41-24. Rida qui se présente dans l'axe mais qui manque son tir. Robin Pogonić à la main qui remonte la balle, qui croise. Qui donne à Sambader qui prend le tir là, il était obligé. Sinon l'arbitre suit 3 secondes mais qui manque son tir. Les joueurs d'un côté comme de l'autre vont devoir revenir dans le jeu. Beau tir d'Alexis Ramonet et on entend Daniel Paquet demander à ses joueurs en reste, donc il remet la presse à ses joueurs. Saint-Avold a réussi à se sortir de cette presse. Tir manqué, c'est Julien Fleuteau qui a fait l'effort, qui récupère cette balle.
On arrive en fin de possession. Et changement du côté Hornets avec l'entrée du numéro changement. Ivan Toscano, sorti du numéro 9, Luigi Macombo. On a Luigi Macombo là qui sort. L'international de l'équipe de France, remplacé à nouveau comme en première mi-temps par Ivan Toscano, international d'équipe d'Espagne, l'équipe nationale d'Espagne. C'est un petit peu la force de cette équipe du Canet par rapport à celle des Red Dragons. Profondeur de banc plus étendue. Il ne reste plus que 2 secondes de temps de possession. Tir au buzzer. Tir manqué. C'est dommage, il était beau là. Et Julien Fleuteau, du bout des doigts, qui la pousse à Paty. Et au moment où il aligne son tir, Paty, où il arme son tir. Bon retour défensif, il se fait contrer. Julien Fleuteau côté droit, qui la rend Robin. Robin Pogonwicz à Paty sur le côté gauche. Paty qui rend, jeu à deux avec Sam. Et c'est Julien Fleuteau qui prend responsabilité de ce tir, mais airball de la part de Julien Fleuteau. Alexis Ramonet qui sert très bien en dessous. Rida Matawi. Rida Matawi qui est complètement passé à côté de sa première mi-temps, mais elle est là qui revient en forme sur cette seconde mi-temps et presse tout terrain de la part du Canet. La presse qui contraint les joueurs de Saint-Avold à prendre des tirs à mi-distance. Ce que réussit très bien là, Paty sur ce tir. Mais une bonne action qui s'enchaîne par une mauvaise action de la part de Paty. Il va cogner le fauteuil au moment du tir, le fauteuil d'Alexis Ramonet. Seconde faute individuelle de la part de Paty Cotibingo. Il reste moins de 2 minutes dans ce troisième quart-temps. 43-28, c'est un score qui n'est pas très élevé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alexis Ramonet, numéro 5. Ça montre bien toute la pression là, qu'il y a sur cette rencontre. Avec une grosse pression défensive de part et d'autre, aucune balle facile. Et là, l'arrêt de jeu. L'arrêt de jeu s'est fait juste au moment où Matisse Bellers allait tirer ou passer. Retour à 14 secondes pour la possession. Là, parce qu'il est rentré dans la zone. Dans la... Le blanc est rentré dans la zone réflexive. Et la balle revient au noir du Canet, car un joueur de Saint-Avold est rentré dans la zone restrictive. Et Paty Cotibingo qui commet la faute là au moment du tir. Et c'est sa troisième faute.
Le coach Michel Mensch décide tout de suite de le protéger. Vincent Jascula qui refait son retour sur le terrain. Mais la faute a été sifflée juste avant le tir. Il n'y aura donc pas de lancer. Et les Noirs qui récupèrent cette balle et superbe passe intérieur-intérieur. Sam Bader qui donne à Julien Feuteau sur le côté gauche. Il est important ce tir de Julien. Ça montre que Saint-Avold en a encore un petit peu sous le pied et que tous les joueurs peuvent être dangereux à ce niveau-là de jeu. Et réponse d'Alexis Ramonet. Lui aussi en première mi-temps, il était un petit peu passé à côté de ses tirs. Et cette fois-ci, il se rattrape en deuxième mi-temps. Mathis Bellers qui attend que les joueurs se libèrent. Sam Bader qui prend le tir et contré par Ivan Toscano. Il reste 10 secondes de possession pour l'attaque. Et faute sifflée. Allez public, n'avons rien, merci d'encourager bien fort nos deux équipes. Au numéro 8. Allez, changement du côté de Canet avec la sortie du numéro 8, Christophe Carlier et Luigi Macombo qui entrent sur le terrain. Merci de les applaudir bien fort. Je vous avais annoncé depuis le début de la rencontre que les fautes allaient jouer un rôle important. Preuve en est là avec cette faute de Luigi, de Christophe Carlier. Quatrième faute de Christophe et tout de suite Daniel Paquet le sort pour le protéger. Et tir mal ajusté là, la balle qui ressort. Il reste 5 secondes et presse mise en place. De nos amis Naboriens. Il n'y a plus que 10 petits points d'écart. Lentement mais sûrement, les joueurs du Canet remontent. Il y a 3 joueurs à 3 fautes du côté des Red Dragons, un joueur à 4 fautes du côté du Canet. Robin Poganwicz, Fanat, 2 tirs, et il donne une balle très très compliquée là à Paty. Sam Bader qui pousse cette balle sur Robin pour réussir à récupérer le rebond. Paty Cotibingo qui rend à Robin. Alors le 24 n'était pas parti, donc retour à 17 secondes. Les joueurs du Canet espéraient déjà qu'il y ait 8 secondes pour récupérer cette balle. Sam Bader, Julien Feuteau qui vient aider Sam Bader à sortir de ce bloc. Robin Poganwicz sur le côté gauche. Oh là là, c'est bien fermé, confus. Julien Feuteau au buzzer. Les joueurs noirs sont à 2 pour bloquer Paty Cotibingo. Et splendide tir de Rida Matawi. Bon joueur, allez, bon joueur.
Et balle interceptée sur cette passe. Et lay-up, bras roulés main droite de la part de Mérida Matobi encore une fois. Il n'y a plus que 6 points d'écart. Faute du 11, Ivan Toscano. Première faute individuelle d'Ivan Toscano. Julien Feuteau dans l'axe qui donne à Robin Pogonich. Robin Pogonich qui donne à Patty qui rend Robin. Robin qui prend le tir. Beau switch, il est important celui-là pour remettre les Red Dragons à 8 points. Sam Bader qui se bat là sous l'anneau pour récupérer ce rebond. Passe à Patty. Mais deux défenseurs noirs étaient déjà sur lui. Il a assuré la balle en sortant. La zone, on fait tourner. Trop tard. Panier annulé. Et cette fois-ci, les joueurs du Canet sont à 4-4 noirs pour bloquer Julien Fleuteau. C'est redevenu un peu plus raisonnable. Il n'y a plus qu'un seul joueur sur Julien Fleuteau pour créer un moins 1 au niveau de la défense. Et belle passe intérieure. La technique a fonctionné. Mais heureusement, Robin Pogonich était attentif, est venu contrer ce tir. Et c'est Sam Bader qui s'occupe de la remontée de balle. Qui donne à Patty dans le mouvement. Mais Patty a été un peu trop fort, trop rapide. Et en voulant récupérer sa petite erreur, il commet la faute là, Patty. Sa quatrième faute individuelle à Patty Cotibingo. Allez, public, merci d'encourager bien fort nos deux équipes. On donne une claque pour la 7 rencontre 47-39. La défense se remet en place. Sam Bader a poussé cette balle, mais elle a été récupérée par les joueurs noirs et tire à quelques secondes de fin de possession. Matich qui récupère ce rebond et la balle passe la ligne médiane avec une passe sur Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui la donne à Robin Pogonich à droite dans l'axe. Voilà, tir mal ajusté, premier coup, deuxième coup, Julien Fleuteau qui prend le rebond là. Alors que Matisse est échoué deux fois en dessous, trois fois en dessous, c'est le petit un point là qui tire son épingle du jeu. Oh là 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 là, un magnifique tir d'Alexis Ramonet. 49-41, il y a 8 points d'écart. Changement du côté des Hornets. Entrée du numéro 8, Christophe Carlier. Sortie du numéro 9, Luigi Macambo. C'est les applaudissements bien forts. Il reste 5 minutes 48 et Daniel Paquet, le coach du Canet, qui décide de faire rentrer sur le terrain un nouveau lieu. Christophe Carlier, pour apporter nous un peu de taille, un peu de puissance dans le jeu, là. Il veut profiter de l'élan, nouvel élan donné. Peut-être provoquer également la cinquième faute de Patty Cotibingo. Et passe intérieure. Ah, c'était dur, là. Il a tiré en arrière. Matisse Bellers, là. Mais bon retour défensif, là. On voit tout de suite les quatre blancs qui se sont remis en ligne.
Et balle interceptée par Stéphane Keller. Les joueurs du Canet, on a encore sous la roue, ils accélèrent encore. Dommage, la balle elle roule, elle ressort, le tir était bon pourtant. Et Paty Kotimingo qui provoque la faute cette fois-ci de Stéphane Keller. Allez public, on encourage nos deux équipes s'il vous plaît. Faites du bruit public. Allez, on a du tempo. Troisième faute individuelle de Stéphane Keller, deuxième faute d'équipe. La balle tourne bien, mais elle est éloignée. Les joueurs des Red Dragons n'arrivent pas à rentrer, n'arrivent pas à se rapprocher là. Et c'est Paty Kotimingo qui prend un nouveau le tir, il n'a pas le choix. Julien Feuteau qui vient ralentir le joueur noir pour que Robin Pojanic puisse s'emparer de cette balle. Robin qui prend le tir, il en a peut-être fait un peu trop. Matij qui loupe. Et en plusieurs temps, on récupère la balle. Alors, faute sifflée, mais alors à qui là ? Dans cet enchevêtrement de roues, la faute a été sifflée à Stéphane Keller. Quatrième faute individuelle de Stéphane Keller. Et Julien Feuteau dans l'axe qui manque son tir. Panier accordé, Sambader s'est jeté pour tenter de contrer. Et la faute a été sifflée au 9, à Matij Belerz. Rida Mantoui. 51. Au tableau, Sambader qui provoque la faute. C'est une spécialité de Sam. Lorsqu'il sent qu'un joueur le colle beaucoup derrière, il bloque d'un coup sec. Deuxième faute individuelle d'Ivan Toscano, mais quatrième d'équipe. Ça va être important avec le jeu des lancers francs à partir de maintenant. Et Robin qui prend le 3 points. 3 points totalement manqués. Et surnom du côté noir, 2 contre 1. Heureusement, Sambader revient vite. Contre la passe, Robin Pogonic s'en empare. Lance Paty Kotimingo, mais faute sifflée avant. Arida. Julien Fleuteau qui se retrouve au lancer de lancer. Daniel Paquet, le coach du Canet, a demandé à ses joueurs d'être patients et d'être plus attentifs à l'attaque pour éviter la perte de balles. Son mot d'ordre, c'est l'efficacité plutôt que de la rapidité. Oh là là, pas de chance là. La balle est ressortie pour Julien Feuteau. Remontée de balle d'Alexis Ramonet. Alexis Ramonet qui fait une passe en dessous. La passe était bien vue, mais Paty Kotimingo était attentif. Il a bien veillé. Et faute sifflée à Stéphane Keller. Cinquième faute individuelle. Avec l'entraînement numéro 14. Thomas Delattre, Stéphane Keller. Thomas Delattre,
qui fait déjà quelques tours de roue sur le terrain en première mi-temps, revient à la place, sur le parquet, à la place de Stéphane Keller. Les arbitres viennent encore une fois d'avertir les joueurs. Tir manqué, mais Matchij pousse du bout des doigts la balle, récupérée par Sam. Sam Bader, Robin Pogonic à droite, qui accélère, mais qui perd cette balle. Et contre-attaque. Grosse accélération là. Et sur la première intention, Matchij avait évité la faute, mais commet faute de fauteuil sur la pénétration là. Balle remise au fond. Allez, l'occasion pour vous le public pour donner un peu d'énergie à notre équipe. Allez, on tape des mains. Un photo qui vient de marquer 53-44. Et lancé manqué cette fois-ci par Julien. 53-44. 9 points d'écart. Oh, le geste technique était beau. Mais la grosse erreur de placement, car c'est Ivan Toscano qui s'empare de ce rebond. Non, il n'aurait pas dû en avoir l'occasion. Et presse tout terrain, mise en place par le joueur du Canet. Pati Cotibingo tente la passe à rebond sur Julien Feuteau, mais beaucoup trop compliqué comme passe là pour Julien. Un moins effectué sur Julien Fleuteau avec un retour rapide d'Ivan Toscano, mais balle récupérée, interceptée. C'est Sam Bader qui la donne à Pati Cotimingo. Julien Fleuteau, ah là là, fallait pas le louper celle-là. Beaucoup de fébrilité dans toutes ces balles. À 1 minute 44 de la fin, tout est encore possible. Tir manqué du côté du Canet. Sam Bader récupère cette balle. Ligne médiane passée, longue passe à Robin Pogonic sur le côté droit, dans son coin, qui attend que ses joueurs se libèrent. Sam Bader se présente au niveau de la ligne des lancers francs, tire caillou là, sur la planche. Heureusement, retour défensif pour éviter la contre-attaque de la part des Red Dragons. Les différents joueurs se placent. Ivan Toscano en profite là, on a Rinda Matobi qui avait fait l'appel et du coup Matchij n'a eu d'autre choix que de suivre. Grand joueur étant mort pris par Olivier Michel Mensch, le coach des Red Dragons. Il reste 1 minute et 1 seconde dans cette demi-finale de Coupe de France pour le trophée Maurice Schenacker.
Il n'y a que 5 points d'écart, 5 tout petits points d'écart. Tir pris par Sam Bader, une seconde avant la fin de temps de possession. Tir manqué. Et faute de Julien Fleuteau, là. Lancé, appliqué, pied, ballon, pied. Et en plus de ça, c'est une faute anti-sportive. Donc c'est-à-dire que Rida Matawi a marqué les deux points de son tir, va avoir son lancer franc et la possession sera noire derrière. Là, c'était vraiment la très mauvaise opération pour Julien Fleuteau là, sur cette action. 53-50. 53-51, plus que 2 points et possession noire à 36 secondes. Ce match tient toutes ses promesses. Rida Matawi qui réussit à trouver Christophe Carlier. Christophe Carlier qui manque complètement son tir, mais. Et les joueurs là se battent et s'étripent. La balle n'a pas touché l'anneau. Et final. Et les. Oh là là. Les arbitres ont décidé que la balle avait touché. Donc remise à 14 avec possession pour le Canet. Et temps mort pris par Daniel Paquet pour le Canet. Changement du côté de Le Canet, Alexis Ramonet qui fait son retour sur le terrain. Tentative à 3 points, tentative manquée mais panier récupéré. Allez, public debout, tout le monde debout, le public. Et fausse sifflée à Paty Cotibingo, j'ai l'impression. C'était tout à fait. Donc cinquième faute à Paty Cotibingo. Qui va devoir sortir. Allez, changement du côté. Et Luigi Magombo qui se retrouve au lancer. À moins de 10 secondes de la fin de cette rencontre, Vincent Jaschula. Et on entend déjà Daniel Paquet, le coach du Canet, qui demande à ses joueurs de rester. Tir manqué. Sam Bader prend le rebond. Et debout, public, debout. Allez, public, debout. Alexis Ramonet.